découvert la boxe par hasard. En fait, ça m'a pris tout d'un coup de vouloir faire un sport de combat. J'ai commencé par du self-défense avec Hakim. Et puis après, l'année d'après, j'ai fait du kickboxing. Et ensuite, je suis passée à la boxe anglaise. Et en fait, ça m'a plu. Et je suis tombée amoureuse de la boxe anglaise. Et maintenant, ça fait 4 ans que je fais de la boxe. Alors, j'ai commencé la boxe parce que j'ai toujours fait du sport, que ce soit de la gym, de l'athlée, du badminton. En commençant mes études supérieures, je m'étais dit pourquoi pas faire un sport de combat, parce qu'en fait j'ai toujours été de nature un peu sensible, donc je m'étais dit je fais un sport un peu pour m'endurcir, et c'est comme ça que j'ai commencé la boxe anglaise. Deux profils complètement différents. Donc une lionne, la personne d'Esther qui est arrivée, qui savait ce qu'elle voulait, elle voulait boxer. La boxe était une fin en soi. Et une Alicia très timide, très introvertie et qui ne savait pas pourquoi elle venait. Quand j'ai commencé, j'aimais pas du tout la boxe. Je venais à reculons et je sortais en pleurant. Enfin, c'était des débuts assez compliqués. Parce qu'en fait, j'avais vraiment du mal à donner des coups et en recevoir. Enfin, c'était vraiment... Enfin, le temps que ça se débloque. Pour Alicia, le fait même que deux personnes s'affrontent sur un ring sans qu'il y ait eu de conflit qui détermine ce combat, c'était une aberration. Et donc, petit à petit, je lui ai montré que la boxe, c'était tout sauf de la violence. Ma mère, elle me disait « Ouais, on va te donner des coups de poing, tu vas avoir ton nez cassé, etc. etc. » Et après, je disais « Mais non, maman, c'est de la boxe, c'est de l'assaut, c'est rien, on va pas me taper fort. » Elle me fait toujours la blague, elle me dit « Oh bah, t'es pas obligée de donner autant de coups aux gens, parce qu'elle vient voir mes matchs des fois. » Mais je pense qu'ils sont plus, contents, et je pense que ça me ressemble, en fait, de faire de la boxe. Donc, Alicia, quand tu touches au corps, remonte visage. Voilà. Bouge, voilà, c'est bien ça, le mouvement de buste, là. Attention, reviens bien en garde. Voilà, sors de là, ne te laisse pas cadrer. Et toi, Alicia, essaye de la cadrer. Pour le coup, tu la laisses pas sortir, oui. Hakim, c'est quelqu'un de très patient et qui sait mettre à l'aise. Il sait s'adapter. Enfin, franchement, il m'a vraiment aidé à m'ouvrir, je pense. Et parce qu'au début, je parlais vraiment pas. J'étais muette comme une carpe. Et il est drôle, il est attentionné, il est... Enfin, franchement, un coach de rêve. C'est le propre d'un professeur de PS, c'est d'individualiser son enseignement. Il faut vraiment s'adapter au profil et aux besoins de chaque étudiant. Allez, le but, c'est de garder le centre du ring. Sinon, tu vas te faire toujours cadrer, tu vas faire beaucoup, beaucoup de distance. Lève cette garde, voilà. Même quand je dis à d'autres personnes que je fais de la boxe, ils me disent « Ah, donc tu peux me casser la gueule, nanana, moi je pense que je peux te battre, etc. » C'est directement ça qu'on dit. Et moi, je suis là en mode « Bah non, je pense que tu pourrais pas. » Moi, j'étais venue avec mes propres préjugés que, par exemple, la société m'avait imposé parce que la boxe, je voyais ça comme un milieu très masculin. J'ai toujours fait du sport, mais pourtant, j'avais quand même comme cette barrière invisible qui m'empêchait d'extérioriser tout ce que je voulais faire. Donc, je me disais au tout début que c'était peut-être un sport pour les garçons, un peu bourrin. Et en fait, avec le temps, les semaines, les mois, en fait, on se rend compte que pas du tout. Enfin, on boxe avec les filles, avec les garçons, on boxe tous ensemble, ça se passe super bien, quoi. Donc voilà, on voit ce que ça a donné. À force de travail, d'assiduité, d'abnégation, eh ben, elles ont réussi toutes deux à décrocher des titres de championne de France. De faire de la compétition, moi, ça me plaît énormément. Je trouve que c'est une expérience très satisfaisante que j'ai jamais eu l'occasion de faire en fait en dehors de la boxe.
Je me rappelle que pour ma première compétition, du coup, c'était mon premier combat tout court. J'étais très, très stressée. Mais finalement, c'était du bon stress. En fait, moi, je ressens le stress, mais je ne le laisse pas m'atteindre. Ensuite, pour les championnats de France en kickboxing, bizarrement, je n'étais pas stressée. J'y suis allée un peu, voilà, comme ça. Et là, je n'ai pas gagné. Donc, je me dis que quelque part, le stress, il a du bon parce que moi, ça me permet de rester concentrée. C'est une information, ça me donne de l'adrénaline. Et je sais qu'il y a quelque chose d'important qui se joue pour moi, en fait. Honnêtement, je suis pas la mieux placée pour gérer mon stress, pour donner des conseils sur ça, parce que je dirais c'est l'équipe, enfin la team avec laquelle on est parti qui a géré mon stress, que ce soit en me faisant des blagues, en me rassurant, en me répétant tout le temps que ça allait aller, en m'encourageant. Enfin franchement, j'aurais pas pu rêver mieux comme équipe. Non, franchement, à chaque fois que je retournais au coin, il y avait Guillaume ou Hakim, il me disait allez, il me donnait des conseils, je disais j'en fais plus, je veux sortir. Vraiment à chaque round. Mais du coup, j'y retournais et voilà. Ça a vraiment changé ma vie, je pense. Je suis de nature timide et ça m'a grave aidé à prendre confiance en moi. J'ai toujours eu les larmes faciles et en fait, ça m'a vraiment aidé à communiquer, à gérer mes émotions. Être championne, ça fait plaisir. Ça me donne beaucoup de fierté en moi et surtout quand je les dis à ma mère, à ma sœur, etc. Elles sont contentes pour moi. Ça me donne le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Enfin, c'est le résultat de mes efforts, en fait. C'est un travail de longue haleine. Hein. On ne devient pas championne de France en deux jours. Hein. Quand je vois la petite Alicia qui ne décochait pas un mot et qui était toute introvertie et qui, maintenant, sur un ring, réussit à battre et à surpasser toutes les autres boxeuses, je suis fier d'elle. Elle peut être fière d'elle. Parce que ce n'est pas la même, même si elle reste encore timide, c'est sa personnalité. Mais je sais que c'est une lionne timide, alors qu'Esther, c'est une lionne extravertie, voilà.